Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de la série d'études bibliques qui a pour thème les psaumes dans le Nouveau Testament. La semaine dernière avec Gonzalo, on a vu la richesse du psaume 22, sans doute une des citations de psaumes les plus célèbres du Nouveau Testament. Si vous l'avez raté, vous trouverez un lien dans les fiches ou dans la description vers cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du psaume le plus cité dans le Nouveau Testament, le psaume 110. Si le psaume 22 nous ramenait au supplice de Jésus, le psaume 110 évoque les caractéristiques du Messie promis à Israël. Alors avant de poursuivre, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, prendre tranquillement votre Bible, éventuellement relire le psaume 110, euh, il n'est pas trop long hein, et ça vous aidera vraiment pour la suite. Comme on disait, le psaume 110 est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament. Euh, ce qui est remarquable, c'est qu'il est cité dans à peu près tous les groupes de textes. Euh, on en trouve des mentions dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, il est cité dans les actes des apôtres, aussi Paul le cite dans sa première lettre aux Corinthiens, Enfin, il est mentionné à quatre reprises dans la lettre aux Hébreux. La tradition attribue la rédaction de ce psaume à David. Euh, C'est en tout cas comme ça que l'écrit se présente. On peut lire au premier verset Psaume de David. On va voir tout d'abord que ce Messie décrit dans le psaume a une fonction de roi. Ensuite on verra qu'il a une fonction de prêtre. Ce cumul des deux fonctions roi et prêtre euh, n'étaient pas possible en fait dans l'ancienne alliance. Les prêtres étaient issus exclusivement de la tribu des Lévites. Concernant l'office de roi, David a déjà été confronté à une prophétie de Nathan qui lui a prédit une descendance éternelle de la maison de David, donc la sienne, et donc issue de la tribu de Judas. On peut lire en 2 Samuel chapitre 7 verset 16, Je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. On avait abordé cette, euh, cette royauté promise à la descendance de David dans l'étude biblique que vous retrouverez en description ou dans les fiches de la vidéo. Le psaume 110 donne des caractéristiques de cette royauté messianique. C'est là qu'on retrouve le verset 1 qui est largement cité dans les évangiles. Jésus enseigne ce verset quand il est question de montrer qu'il est le Messie. On peut lire en Marc 12, versets 35 à 37, je cite Pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, Jésus demanda Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie doit être un descendant de David David lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, a déclaré, ⁇ Le Seigneur a dit à mon Seigneur, ⁇ Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds ⁇ Si donc David lui-même appelle le Messie Seigneur, comment celui-ci peut-il être son descendant ?⁇ Il y avait là une foule nombreuse qui écoutait Jésus avec un vif plaisir. Jésus, en reprenant le premier verset du Psaume 110 dans son enseignement, Montre qu'il est Seigneur et qu'il est le Messie attendu par le peuple d'Israël. C'est dans ce premier verset très riche qu'on retrouve les expressions célèbres de siéger à la droite, qui signifie la pleine autorité divine, et aussi mettre les ennemis à terre sous les pieds, ou plus littéralement faire des ennemis un marchepied, signifiant la pleine victoire du Messie, notre Seigneur Jésus. Une citation importante de ce premier verset du psaume 110 est faite par l'apôtre Pierre dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 34 à 36, je cite, En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Alors, on en vient à une première piste de réflexion, on va aborder la façon dont on présente Jésus à notre prochain. Les versets que je viens de lire sont issus d'une prédication de Pierre au tout début vraiment de l'histoire de l'église. On voit que l'apôtre conclut avec une sorte de résumé de la foi, Dieu fait Seigneur et si ce Jésus que vous avez crucifié. Ça fait un peu un lien avec la série de prédications sur le credo qui est en ce moment. Euh, je pense qu'en de nombreux endroits, comme c'est le cas dans cet extrait du livre des actes, euh, l'Écriture nous invite à avoir une idée claire euh, du contenu de notre foi. Il faut aussi avoir une idée claire de la provenance de cette foi. En citant le Psaume 110, Pierre montre qu'il ne, ne tient pas sa prédication de la consultation d'un marabout ou de l'observation d'un vol d'hirondelle, mais bien de la parole de Dieu qui s'est révélée à travers ses prophètes au cours du temps, inspirée par l'Esprit Saint. Vous pouvez donc vous laisser guider par ce premier verset du Psaume 110, voir l'importance de la royauté de Jésus. J'ai mentionné sa citation dans l'évangile de Marc et dans les actes des apôtres. Vous pouvez trouver vous-même les autres endroits du Nouveau Testament où ce passage est cité. Comme on disait au début de la vidéo, Jésus est à la fois roi et prêtre. En reconnaissant que Jésus est aussi prophète, euh, on peut trouver en théologie la formulation des... Trois offices du Christ. L'office royal, qu'on a déjà vu, l'office prophétique et l'office sacerdotal. Cette formulation des trois offices a été popularisée par le réformateur Jean Calvin au XVIe siècle. Le théologien contemporain Henri Blocher dit à ce propos que, je cite, Les avantages de ce mode de présentation sont nombreux. Il montre ensemble l'œuvre et la personne il associe les deux testaments puisque l'ancien contribue la notion de chacun des offices, et le nouveau atteste que Jésus, étant le Christ, les remplit. Alors l'office sacerdotal, c'est-à-dire le fait que Christ est prêtre, est évoqué en partie dans l'épître aux Hébreux en citant justement le Psaume 110. Comme on disait tantôt, la prêtrise était réservée aux membres de la tribu des Lévites dans l'Ancienne Alliance. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit clairement que cette façon de faire était temporaire. Euh, on peut citer Hébreu chapitre 7 verset 11. La loi donnée au peuple d'Israël repose sur le sacerdoce lévitique. Or, s'il avait été possible d'atteindre la perfection par ce sacerdoce, pourquoi était-il nécessaire d'établir un autre prêtre dans la ligne de Melchisédek et non pas dans la ligne d'Aaron Un peu plus loin, au verset 17, l'auteur de la lettre fait référence au psaume 110, je cite, il est déclaré à son sujet, tu es prêtre pour toujours dans la ligne de Melchisédèque. En mentionnant Melchisédèque, le roi de Salem, hein, rencontré par Abraham dans la Genèse, l'auteur du psaume établit une nette différence entre la prêtrise standard ancienne alliance, si je puis dire, c'est-à-dire les Lévites descendants d'Aaron, et la prêtrise qui sera exercée par le Messie. En effet, Melchisédèque vient avant la naissance des fils de Jacob, il n'est donc pas rattaché à une tribu particulière. Un peu plus loin, l'auteur de l'Épître aux Hébreux donne la raison profonde théologique de cette prêtrise différente, une prêtrise totale exercée par Jésus. On voit ça en Hébreux chapitre 7 versets 25 et 24. Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant. Pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Alors, je vous laisse relire ou peut-être découvrir hein, ce chapitre 7 de la lettre aux Hébreux, mais on peut déjà trouver une piste de réflexion. Ce psaume 110 et sa reprise dans la lettre aux Hébreux doit nous pousser à vraiment réfléchir notre vie de prière. Prier Dieu, ce n'est pas simplement envoyer à la cantonade des demandes sans être certain qu'elles seront entendues. Prier, c'est faire une entière confiance à Jésus-Christ qui intercède pour nous auprès du père. Prier ce n'est donc pas simplement demander telle ou telle chose à Dieu, prier c'est bien plus que ça. Prier c'est envoyer nos louanges, nos inquiétudes peut-être, nos questions à Dieu avec la certitude vraiment inébranlable que son fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus, plaide en notre faveur auprès du Père tout-puissant. Quand on dit que Jésus est prêtre dans la lignée de Melchisédek, voilà ce que ça veut dire. Voilà pour résumer rapidement, ce psaume 110 montre un Messie roi éternel, un Messie prêtre, donc c'est assez logique de le voir euh, cité aussi abondamment dans le Nouveau Testament. On peut voir que les auteurs des évangiles et des lettres qu'on retrouve dans la Bible ont abondamment puisé dans l'Ancien Testament pour laisser ce témoignage inspiré par l'Esprit Saint d'un Dieu qui s'est révélé parfaitement en la personne de Jésus-Christ. Bonne étude biblique à toutes et tous, à bientôt et soyez abondamment bénis. Ciao